Bonsoir à tous, nous voilà donc pour cette deuxième étape de la Palador. Edmond Lataya et Christophe de Elizondo pour
compter cette première partie. Il y aura deux parties. Donc la première, eh bien, c'est Ibargüen Urrutia face à Gaubeka Pérez, comme vous le voyez sur l'image. Les joueurs sont à la présentation au pied du mur de Saint-Jours-de-Maraine. Nous sommes à Saint-Jours-de-Maraine, donc deuxième étape après celle de Biarritz. Voilà donc Esteban Gaubeka qui va être associé à Ibai Pérez derrière. Voilà Ibai Pérez. On va rentrer dans l'explication de ces parties tout à l'heure. Pour ceux qui n'auront pas suivi cette première journée de ce tournoi de la Palador qui se déroule donc en quatre journées, en quatre phases. Beñat Ibargüen qui remplace donc Roman Maldonado qui devait jouer initialement, qui était blessé pour la première partie, qui devait jouer pour cette deuxième partie, qui n'est toujours pas rétabli. Et il sera bien sûr associé à Iñaki Urrutia comme lors de la première rencontre. Donc on explique un petit peu ce tournoi de Palador qui est organisé donc par Dan Nicol, joueur lui-même. C'est un quadro de professionnels qui donc joue à Bilbao normalement donc toute l'année à la Pala Larga qui est une pala un petit peu plus grosse que la Pala Corta avec une pelote un petit peu plus lourde. Je vais rentrer dans les détails avec vous, Christophe, spécialiste. Et donc voilà, il y a trois journées qui se déroulent aujourd'hui à Saint-Jours. Il y a eu une journée à Biarritz, le 13 juillet à Seignos. Et Osegor accueillera la finale le 1er septembre. Donc c'est une poule unique, une poule de quatre équipes. Poule de 8 équipes et donc poule de 4 équipes et donc les deux premiers sont qualifiés pour la finale. Alors aujourd'hui ce sont en première, il y a deux parties donc, et la première partie oppose donc les vaincus de la première partie, de la première journée à Biarritz. On rappelle que Pablo Fusto, Sylvain Greffel avaient battu Beñat Ibargüen et Iñaki Urrutia, 3-2. Dan Nicol et Imanol s'étaient imposés face à Esteban Gaubeka et Ibai Pérez, 3-1. Donc aujourd'hui, c'est la partie entre perdants, malheureux perdants certainement, qui perdra toutes ses chances de qualification. Enfin, sait-on jamais avec l'histoire du golbrage. Celui qui perdra aujourd'hui ici lors de cette partie sera bien, bien mal engagé pour atteindre la finale. Ouais, c'est une partie pour c'est une partie oui, qui est c'est un peu compliqué pour les perdants à l'issue de cette partie. Donc il faudra tout donner pour les deux équipes pour espérer pour rester en course dans le tournoi. Et la partie a commencé. Voilà, le premier but a eu lieu dans ce magnifique complexe de Saint-Jours-de-Maraine qui a été rénové. C'est la première fois qu'on joue ici en mur à gauche avec un tel aspect, c'est-à-dire une peinture verte. Il a été repeint pour la circonstance, on pourrait dire. En tout cas, Dan Nicol, qui est organisateur du tournoi joueur, est chez lui ici de Saint-Jours. Et donc tenait particulièrement à ce que son fronton, le sien, soit prêt. Oui, Saint-Jours était d'un fronton blanc. Il en reste peu. Aujourd'hui, il y a la majorité des frontons qui sont soit verts, soit noirs, soit on va dire gris anthracite. Donc voilà, Saint-Jours s'est refait une beauté, le mur à gauche. Il en avait besoin, ça c'est clair, tout le monde le savait. Et donc voilà, les travaux ont été effectués. Et aujourd'hui, le fronton est magnifique et fait prêt à recevoir comme il se doit cette étape de la Palador 2023. Alors les parties, on le rappelle, elles se jouent en trois manches gagnantes. Il faut arriver à gagner 3-7. 3-7 qui se jouent donc en 10 points. Tous les points, tous les 7 se jouent en 10 points. Pas de dernier 7 en 5 points. Comme on peut-être dans les compétitions internationales. Ibargüen, Ibai Pérez, Ibai
Esteban Gaubeka qui n'a pas eu le temps de se dégager de la trajectoire de la pelote. Son partenaire l'a appelé, mais comme Esteban n'a pas pu sortir de la trajectoire, Ibai Pérez a préféré ne pas la jouer. C'était trop dangereux. On va le revoir au ralenti. Voilà, Esteban est vraiment dans l'axe de la pelote. Ibai n'a pas pu effectuer son coup. Ouais, c'est l'autre qui échappe à Esteban. Prend un peu derrière lui. À l'extérieur. Ouais. Il sort sur la partie droite. Deux donc pour les Noirs. Hein. Même s'ils ont un petit peu d'orange avec eux. Il faut dire que le fronton de Saint-Jean-de-Marraine aujourd'hui a fait le plein. On joue à guichet fermé. Ouais, c'est un beau succès. Une jolie étape de nouveau là. Bon, il fait chaud aujourd'hui, près de 30 degrés. Christophe, est-ce que même à l'intérieur, les joueurs ressentent ces effets météorologiques? Oui, on se sent. Les joueurs, vous constatez, bon, le pantalon blanc, c'est pas très confort, il fait très chaud. Le casque. De rien, là, on évacue pas mal de chaleur par la tête. Et le casque fait office un peu de cocotte minute. Donc non, effectivement, c'est la chaleur. C'est difficile pour les organismes pour performer dans ces conditions. Sans compter qu'au niveau de l'adhésion aussi, sur le manche de la pala, on peut glisser un peu davantage que si la température est, on va dire, un peu plus tempérée. Donc ça peut poser problème. On peut peut-être voir des joueurs qui vont avoir des problèmes de colle et d'adhérence de leur pala. Et d'humidité sur le fronton aussi un peu. L'humidité peut-être, oui, peut-être si il fait lourd, mais peut-être que pas. Les conditions ne sont pas non plus extrêmes, on va dire. Il fait lourd, mais c'est pas. On n'est peut-être pas à avoir de l'humidité sur la cancha. La réflexion a été bien faite. Très joli point là. Le premier point un peu disputé de cette partie qui se solde par une faute de Esteban Gaubeka en volée haute. Il est venu, il a couvert ce qu'on appelle la zone de l'entre-deux, c'est-à-dire entre l'avant et l'arrière. Vous voyez, Ibai Pérez est trop loin, il ne pouvait pas venir la jouer. Esteban la joue, il se retourne vers son coéquipier, mais c'était vraiment à lui de la jouer. Il n'a juste pas assez rabattu son poignet. Rappelons que la pala fait plus de 900 grammes, donc pour rabattre le poignet, il y a du travail. Ouais, mais on est en début de partie. Ouais, c'est ça, ça sent pas chaud. Ah. D'ailleurs, la preuve, on est en début de partie, on voit un but faux de Iñaki Urrutia. Très rare pour le signaler. Et une pelote égarée encore avec un deux murs de Ibargouren. Ouais, c'était pas bien buté de la part d'Ibai Pérez. Beñat Ibargouren n'en a pas profité et au contraire il a fait une faute directe, on peut appeler ça faute directe, elle n'est pas provoquée par l'adversaire. Il n'y avait pas de difficulté, pas de vitesse. Et malheureusement, Beñat n'a pas maîtrisé cet envoi. Esteban Gaubeka
qui s'est servi de cette pelote qui allait coller dans le mur pour décaler légèrement avec le mur de gauche et qui déplace Ibar Goren sur le côté droit. Mais qui ne peut pas arriver à reprendre cette pelote. Hein. C'est bien joué de la part d'Esteban. Qu'on connaît pour sa subtilité dans le jeu. Très intelligent. Ils avaient été battus 3-1 par Nicole et Manol lors de la première partie. Oui, on avait présenté la partie comme une position de style, ce qui était le cas, avec des frappeurs cogneurs que sont Imanol et Dan, qui eux avaient joué une très bonne partie dans leur, avec leurs points forts, qui avaient bien exprimé leurs points forts, et par contre on avait vu quand même Esteban et Ibai Pérez vraiment en difficulté cette soirée-là, qui avaient rarement réussi à desserrer les taux. Là aujourd'hui ils ont l'air d'être être mieux disposé pour abattre leur dernière cartouche dans ce tournoi. Au retient encore. Rosicat intercepte et qui va nous laisser pour l'autre fond. Qui n'inquiète pas Rosicat. C'est parti, échange, pour, hein. Parti pour durer. On dirait que les joueurs ont terminé le round d'observation, on va dire, après les 4 premiers points. Et là, ils sont parfaitement dans la partie. Et ouais, bien tapé de la part de Bennett, très intelligent, là, ce volée haute. Là. L'action du poignet pour décaler la pelote dans le mur de gauche. Lui donner l'effet nécessaire pour qu'elle parte sur le, rapidement sur le côté droit et qu'au sol, elle pique, comme on dit. Qui a mis jouer main droite et qui a malheureusement dévissé. La pelote est arrivée sur Esteban. Une partie charnue, donc il a moindre mal. Et très belle défense d'Ibai. Encore. Ah, bien tapé, bravo. Iñaki Urrutia qui est... On l'avait remarqué déjà l'an dernier, qui avait une belle révélation avec Maldonado, ils avaient gagné le tournoi. Et là on peut... Je pense qu'on peut affirmer qu'aujourd'hui, il est au niveau du quadro de Nupala. Je pense qu'il est passé arrière numéro 1. Il est vraiment très sûr. Il gare très peu. Il est à sa gauche, qui est très sécuritaire. Je pense qu'il est un joueur vraiment très sûr. Et Ibar Goren qui se met au niveau aussi. Oui, Ibar Goren, on l'avait vu sur la première partie, qui avait fait une bonne prestation. Et là, son départ de partie est correct. Voilà, voilà, il refait encore un point. Ouais. Ils mettent les oranges sur le reculoir. L'équipe orange, qui on le sait, n'est pas une équipe très puissante.
une équipe très régulière, très intelligente, avec deux joueurs très intelligents. Et, dès que le jeu se raccourcit contre des joueurs puissants qui sont bien disposés, ça devient difficile. Il faut vraiment être dans un très grand jour et être, notamment physiquement, être très très bien quand on est moins puissant. Qui s'échappe en reculant. C'est difficile, c'est la spécialité de jouer en reculant. Car Ibargoen et Routia s'échappaient là pour conclure à 10. Il fallait bien enrayer la série. Série de 4 points de la part des Noirs. Buté de la part d'Ibai, pas facile à buter parce qu'on rappelle que le passa est falta, donc il faut bien viser, on ne peut pas prendre des risques trop importants quand on bute. 7 à 8 non oui c'est 7 à 8 oui c'est 7 à 8 ouais. Encore un très bon but bien ajusté. Là, ce coup-ci, Iñaki qui ramène. Allez, attaque de Gaubeka. Il n'a pas fait mouche. Il va rouvrir les toujours là. Il va le prendre peut-être. Là. Très bien tapé. Réalisation. Ouais, très très bien tapé de la part de Esteban Gaubeka. Il a trouvé la zone derrière derrière Iñaki Urrutia, entre Iñaki et le mur de retour. Iñaki était obligé de la jouer en défense. Regardez, il est en train de reculer, qui plus est sur sa main faible, qui n'est pas très faible mais qui est quand même plus faible que sa main droite, et il ne peut pas contrôler cette pelote défensive qui s'envole, et 8 partout. L'avantage avec les manches en 10 points, c'est qu'il y a des points importants souvent. Et ça, c'en est un. On rentre bien dans la pelote, il y a au bout d'un. Oh. Oh, bien joué. Ah, oui. Excellent. Bien ouais. Ce deux murs là de Ibargoen. Très bien tapé de la part de Beignat. Les joueurs orange qui avaient un petit peu joué le 2 contre 1 sur lui. Et bien mal leur en a pris puisqu'il a eu il a gardé la lucidité pour conclure ce point d'un magnifique deux murs. On voit au ralenti. Pelote hop dans la phase montante et il descend. Très bien tapé. Très bien joué. Bien exécuté techniquement. Oh la vengeance. Oh, bien récupéré. Oh, bravo, Beignat. Ah oui, et il conclut la manche. 10 à 8. Magnifique. Et bien, Ibargoen, il a tiré son épingle du jeu. Même oui. Si, sur ce geste défensif, bon, il a eu le mérite de la mettre au-dessus de l'arrêt, mais il a mis en difficulté avec bonheur. Le demi-mur d'Esteban était très, très bien tapé. Magnifiquement bien tapé. Et Beignat qui s'est battu comme un lion là, et qui est venu récupérer cette pelote et qui a permis de remporter le premier set. J'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal parce qu'en bas à droite c'est du mur et je le vois se grimacer un petit peu en se touchant les doigts. Un joli ralenti là d'Ibargoen. Voilà, c'est le doublé d'Esteban. Première manche bien équilibrée. Ouais, après, il y a eu les 4 premiers points jusqu'à 2 partout. Il y avait un peu entaché de faute directe, mais après on avait des beaux échanges, des échanges qui ont duré, des points construits, bien conclus, de belles défenses.
à la partie qui est, il n'y a pas eu de. Les quatre acteurs sont bien dans, dans leur partie. Ça nous promet une partie âprement disputée, comme on pouvait s'en douter. Les quatre joueurs, ils vont pas lâcher. Ils savent que avec une défaite, ça les condamnerait quasiment. Mais ça ne les fait pas jouer petit bras pour autant. C'est très positif leur attitude. C'est reparti pour la deuxième manche. Donc, la première manche remportée par Ibargoen et Urrutia sur le score de 10 à 8. Ici à Saint-Jean-de-Marenne dans les Landes. Et une pelote qui s'échappe de la palade de Iñaki Urrutia, donc Ibai. De Ibai Pérez, pardon. Ouais, il paraît qu'il y avait une pelote d'attaque hein, et qui n'a pas été assez agressif. Il a livré, il est retombé sur Beñat Ibargoen. Il a fait faire la faute sur le côté droit. Ça en veut un peu Ibai là. Et encore une pelote qui s'échappe, qui n'est pas contrôlée. Paris Ibai Pérez. Qui avait fait un bon premier set globalement. On avait dit que sur la première, notamment le premier rendez-vous de Biarritz, il avait fait une prestation un petit peu en dedans de ce qu'il est capable de faire. Hein, une prestation un petit peu médiocre, mais par rapport à ses standards bien sûr. Mais bon, on connaît le. On connaît le joueur qu'il est, il va se reprendre immédiatement. En tout cas, ça n'a pas l'air de l'affoler. Ouais, Ibargoen s'est un peu grisé là, il a tenté un peu mur. Ouais, il est sorti de très peu. Hein. Il est sorti de très peu, mais pourquoi pas. Il a gagné le premier set, il menait 2-0. Ouais. C'est une chance sur les audacieux. Que les joueurs prennent des risques. Exactement. Et c'était pas incohérent par rapport à la situation. C'était tout à fait dans la logique du jeu, de tirer sur deux murs. Ouais, très bien tapé, Esteban. Très bien croisé. Et là, Ibargoen aurait peut-être pu laisser la pelote à Urrutia qui était bien placé. On le revoit. De partout. La façon dont a tapé Esteban Gaubeka en demi-volée fait que la pelote quand même, elle va toucher le sol et le mur de retour, regardez, elle va replonger vers le bas. Ouais. Iñaki était pas loin. Hein. Récupérer cette pelote. Ouais, il encourage son partenaire, il lui fait signe d'appuyer un peu les coups. Parce que, on peut préciser que chaque manche se joue avec une pelote neuve. Donc en début de manche, la pelote est très dure. Donc il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'agressivité pour pouvoir la bouger, comme on dit, la mener le plus loin possible pour mettre l'adversaire en difficulté.
ce qu'avait signifié Iñaki Urrutia à son partenaire qui là ne s'est pas fait prier, a mis vraiment de la vitesse et a exprimé vraiment tout son potentiel de vitesse de pelote. Difficile. Pelote en défense de Beñat Ibargoren qui l'a un peu trop forcé. Il n'était pas en appui non plus. Au ralenti. Non, c'est coupé. Pelote de défense à contrôler et il a un peu trop. C'est un peu trop fait plaisir. La pelote n'a pas été maîtrisée. Contrôler cette balle, pelote pardon. Ibargoren, j'allais dire, Ibargoren, il est tranquille avec Urrutia à l'arrière. Ouais, ouais. Mais il a fait faute. Ouais, exactement, exactement. Mais il faut en mettre hein, pour que Urrutia cède. Et Esteban a vraiment allongé, il allonge un peu plus le jeu par rapport au pro à la première manche. Et là, Iñaki ne peut pas la reprendre. Il faut vraiment travailler beaucoup son point pour faire craquer Iñaki Urrutia ce soir. Avec raison. Un petit peu la même faute qu'il a fait tout à l'heure. Les oranges qui sont en train de prendre un peu le dessus là lors de ce second set. Et Beñat Ibargoren qui a besoin de défendre, qui s'impatiente un peu, qui veut forcer un peu le jeu et qui n'arrive pas à maîtriser son envoi. Doublé ? Ouais, la pelote est doublée. Sont en train de s'envoler vers une victoire dans ce deuxième set, 8-3, même si ça n'est pas fini. Pour égaliser au niveau des manches. La pelote était bien logée. Ouais, la trajectoire de la pelote a complètement trompé Beñat Ibargoren, la pelote qui a longé le mur de gauche et qui a fait le pic, comme on dit, c'est-à-dire la jonction du mur de frappe et du mur de gauche. Elle est partie complètement, on va le revoir, je pense. La pelote, elle est partie complètement à droite. Et voilà, ouais. Elle s'échappe. Elle a tellement de vitesse qu'elle ne peut pas être récupérée. On va parfait ça. C'est pas conclu un peu gourmand Esteban là.
4 à 9. Il a la marche qui est bien armée. Il voulait jouer un petit peu au chat et à la souris là, avec Beignat, mais il s'est fait prendre à son propre jeu. Ouais. Ouais. Les Oranges qui ont vraiment bien rectifié le tir là. Ah oui. Et j'ai envie de dire qu'ils sont rentrés dans le tournoi. La dernière fois, c'était pas très abouti comme prestation. Là, le premier set leur a échappé de très peu. Deux exploits de Beignat et Barguren pour conclure le premier set. Et là, par contre, l'équipe est bien en place, hein, avec Ibai Pérez tel qu'on le connaît, métronome, et Esteban Gaubeka qui rentre un peu plus dans le jeu, qui se positionne un peu plus près aux avant-postes, ce qu'il affectionne, et qui allonge bien le jeu, qui a poussé, on a vu qu'il avait poussé à la faute Iñaki Urrutia, ce qui n'est pas une sinécure. Et il remporte le second set logiquement, et égalise du coup à un set partout. On choisit la pilote pour ce troisième set. On est donc à un set partout. Quand on arrive, nous allons jouer un peu 4 sets. Et je vous rappelle que la rencontre se déroule en 3 sets à la de 10 points. Je vous dis que la difficulté de la part à la main. Un instrument de 950 grammes. Et c'est reparti pour la troisième manche ici à Saint-Jean-de-Varenne pour ce tournoi de Palador, on vous le rappelle. Un Palador qui se joue sur tout cet été. C'est la deuxième journée après celle de Biarritz le mois dernier. Prochain rendez-vous aussi le mois prochain, le 13 juillet à Seignos, et le 1er septembre la finale aura lieu au Rayalay d'Osegor, car on peut jouer aussi à la Palacorta sur un Rayalay. Ici c'est un fronton de 36 mètres à Saint-Jean-de-Varenne, et la finale se jouera dans un Rayalay. Un partout donc au niveau des manches entre ces deux équipes, Iñaki Ibarguren, Iñaki Urrutia, opposé à Esteban Gaubeka, Ibai Pérez. Il y a des espions, on parlait de Rayalay, mais il y a des espions qui sont venus de Villeneuve-d'Ornon, car ils sont venus voir un petit peu les modalités d'organisation, car ils voudraient peut-être être candidats à une étape la saison prochaine sur le Rayalay de Villeneuve-d'Ornon. Très bien, ils font déjà des soirées à Sesta Punta. Ouais. Avec la venue de quelques grands joueurs. Donc ben, pourquoi pas faire une étape à Palalarga. Effectivement. Toujours bon de s'exporter, faire découvrir la spécialité un peu loin des frontières. C'est souvent un beau succès d'ailleurs.
pour allier ça avec la fête du vin. Mais l'an prochain, ça sera ce qu'on alterne à Bordeaux entre la fête du vin et la fête du fleuve. Ah d'accord. Donc ça sera la fête du fleuve. Et je me souviens qu'une année à la fête du fleuve, c'était les traineras de l'autre côté de la frontière qui étaient venus se défier sur la Garonne, mais ça n'a pas été tellement un succès parce qu'il y avait beaucoup trop de houle sur la Garonne. Ah, oui. C'était dommage parce que c'était vraiment magnifique. Qui a appuyé et qui fait signe à Beignat de lever la pelote, je pense, pour essayer de que Esteban Gaubeka en touche beaucoup moins, parce qu'il a, on a vu sur le second set qu'il avait vraiment pesé l'équipe noire qui avait joué un petit peu court. Beignat qui propose à son coéquipier d'allonger le jeu. Très bien tapé. Une zone parfaite trouvée par Esteban Gaubeka. Pote qui arrive de très haut et qui vient plonger dans le mur de gauche juste au moment où Iñaki doit toucher la pelote. Oui. C'est parfait. Même chose, très bien croisé. Esteban qui prend les choses en main sur cette partie, qui prend le pas sur son vis-à-vis et qui est précis dans ses coups, qui touche bien la pelote. Et une pelote qui est centrée, c'est une pelote qui a de la vitesse. Et comme Esteban, on sait que lui, il a la précision. Vitesse et précision sont souvent très efficaces. C'est Beignat qui colle la pelote à gauche. Esteban qui ne peut pas la rattraper du revers. Et Noir qui recolle un peu dans cette manche très importante pour basculer à 2-7 à 1. De gourmandise là de la part de Esteban Gaubeka qui a voulu apporter une variation dans ses coups d'attaque, mais à la larga c'est pas évident d'effectuer ce coup de gauche à droite. On va avoir ralenti, il essaye mais la faute est assez grossière et les Noirs qui égalisent 4 points partout. J'ai l'impression qu'on va pas se quitter. Cette joute très importante parce que les deux équipes ont perdu précédemment lors de la première journée, donc on avait bien début de reportage le vaincu aujourd'hui on a bien des difficultés à décrocher la finale. Gaubeka, il rentre dans la pelote là. Oui, il touche beaucoup de pelotes, il a un gros volume de jeu. Voilà, il y a qui enfin enlève la pelote. Ah bien, il baille. Très belle défense. Ah, Beignat aussi qui lève. Il ne peut pas la prendre. C'est très bien joué.
Ça a l'air de rien le coup là que vient de faire Esteban Gaubeka, mais il prend la pelote là dans la phase montante et il met de l'effet. La pelote elle tourbillonne et quand elle arrive dans la palade d'Iñaki, sachant que le point a déjà duré assez longtemps, donc physiquement c'est difficile. Et si on est un peu inattentif ou si on n'est pas, si le poignet est un peu moins gainé, la pelote s'échappe. Ce qui est arrivé là. Vous voyez, il a fait une petite boucle légère, mais ça suffit pour perdre un peu de temps sur le point d'impact. Il n'est pas là. Pour Gaubeka qui va. Il rentre à chaque fois. Oui, il rentre dans la pelote. Énormément de pelote. Il en prend et il les met au bon endroit. Ouais. Ouais, dans la ligne. Sur la ligne, elle est. Voilà. Il fait signe à l'arbitre qu'il a bien, bien jugé. Ouais. Parce que s'il avait mal jugé, il lui aurait dit aussi. Il aurait peut-être fait un tour dans la prison. La dingue attitude. Ouais. C'est la nouvelle règle, c'est la règle. C'est la règle propre à ce tournoi. Exceptionnelle dans ce tournoi. Exactement, voilà, c'est ça. Si il y a une mauvaise conduite, eh bien, c'est l'équivalent du carton jaune dans les autres sports collectifs. On s'en va en prison pendant un point, sur la durée d'un point. Beaucoup d'effet dans ces pelotes. Ouais, c'est bien tapé ça. Et Ibai qui ramène. Une fois de plus. Ouais, comme on l'a dit, le métronome Ibai Pérez. Ouais, là il est dedans, Ibai. Ouais. Bien, très bien secondé par Esteban. C'est une très bonne prestation aujourd'hui. Il touche bien la pelote. Oh bravo. Ouais, Ibai. Belle couverture d'Ibai Pérez. Et on est reparti. Un point interminable. L'effet. Oh. Ah, Esteban qui la rate. Il fallait céder à un moment donné. Ouais, magnifique. Gaubeka qui cède. Je pense que ça a dû monter au niveau du cardio pour les joueurs là. Et puis rappelons que sur la formule de jeu en professionnel, ils n'ont pas la possibilité de prendre un temps mort pendant les manches. Donc là, priorité, ça sera de ventiler. Bon, la cancha sera nettoyée parce que Beñat Ibargüren a dû plonger. Donc les joueurs peuvent récupérer un petit peu, mais là le cœur a dû monter bien autour des 160 pulsations, je pense. Ah oui, ah oui. Oui, quand même, oui. Oui. Sachant que quand on joue, on est souvent en ce qu'on appelle un hypoxie, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. C'est difficile de souffler en tapant, on est toujours en apnée. Entre deux frappes, on essaye de ventiler, mais c'est difficile de le faire. Donc là, je pense qu'on est sur un point qui a duré plus d'une minute, 1 minute 30, je pense. Donc ça a dû. On voit les bouches un peu ouvertes, notamment pour les avants. On sait que c'est le poste le plus dur. Je plaisante. Vous êtes avant. Ouais, ouais. Depuis longtemps. J'ai compris que le mur il était un peu loin. Avant de l'équipe de France. De pas être appuyé. Courtin aussi. Jadis.
On a parlé avant un petit peu de la température qui est dans la cancha. Et cette température, s'il y a un avantage à en tirer, c'est sur les pelotes qui s'adoucissent un petit peu et qui permettent de voir du jeu, comme on dit. Elles sont moins dures, moins traumatisantes, on va dire, à l'impact pour les joueurs. Du coup, ça permet de... Alors, il y a plus de vitesse, c'est plus exigeant techniquement, mais comme on a affaire à des joueurs quand même qui sont très, très pointus d'un point de vue technique... Le jeu se favorise. Ouais, ça donne un peu plus de spectacle. Plus de vitesse dans le jeu et du coup de spectacle. Joli but avec un délire. Il la sort. Ouais. Oh, bien joué. Olé. Daniel qui fait des prouesses en défense là, quand il va sur la partie droite. On entend dans les palas que les pelotes sont bien centrées. Oh, bien joué. Ah, là, ça doit brûler, je pense, physiquement. Oh, bien joué Beignat, parfait, oh, bravo. Oui. Oh, oui. Physiquement, c'est très dur. On voit que Beignat Ivargouen est plié en deux et se met les mains sur les genoux. Il faut dire, il plonge et c'est assez énergivore quand même de plonger. C'est vrai qu'il a mis, il a mis un petit peu de temps à se relever, mais on le saura moins. Regardez sur ce... magnifique plongeant et là il trouve une superbe zone là en bas à gauche. C'est très très bien joué de la part de Beignat Ivargouen, que vous connaissez dans un registre. Voilà, c'est un joueur qui tape fort, qui a une belle gauche, mais on a constaté déjà la dernière fois qu'il était aussi très joueur, qu'il était capable de finir pas mal de points. On l'a vu à la fin du premier set et là ça me tire toujours bien. Esteban Gaubeka qui le provoque un petit peu en duel sur des situations, mais il s'en sort toujours bien. C'est pour ça qu'Esteban, regardez là, il reallonge de nouveau le jeu parce que... Mais le naturel revient et là par contre il provoque la faute. Enfin, c'est bien joué. Mais avant d'attaquer, il a quand même allongé deux fois les coups pour écarter l'avant et l'arrière adverse. Et c'est très bien joué. Beignat qui ne peut pas se dégager de la trajectoire de la pelote. Très très bien joué. Beaucoup de variété. Ça, c'est la marque de fabrique d'Esteban Gaubeka. Bien. Très joli bruit dans les palas. Ah, il ne peut pas la récupérer celle-là. Il a puisé physiquement, je pense, sur cette manche. Et là, il est un petit peu court sur cette pelote. 9-6, c'est difficile à jouer. De la conclusion de cette troisième manche. Favorable pour l'instant, Esteban Gaubeka, Ibai Pérez. Ça permet de récupérer. Et celui là, la cancha. Je voyais Iñaki Urrutia qui. Ibai Pérez, pardon, qui est en train de bien récupérer, bien respirer.
Voilà, peut-être pour le dernier but de cette troisième manche. Puisqu'il mène 9 à 6. Et Margouren y était. Les attaques se succèdent. Énorme défense. Voilà. Il a voulu trop bien faire. Ouais, il a voulu la poser. C'était très très bien joué. Ils avaient très bien mené leur barque là. L'équipe orange qui est vraiment en place ce soir. Il n'y a rien à dire. Esteban se tient un peu près comme il est habitué à le faire. Ibai Pérez vient le suppléer sur l'entre-deux. Et c'est un concours de demi-volée basse là depuis le début de la partie. La pelote d'Esteban l'avant-dernière a été très très bien allongée. La pelote avait été livrée par Urrutia. Et donc l'amorti était le coup à effectuer, mais bon, avec une pala aussi lourde et une pelote aussi difficile à maîtriser, c'est pas évident. Et le net là qui les gare. Ouais. L'autre voilà. Sort. C'est la conclusion donc. Ouais, prise de risque qui n'était pas opportune, de la part de Benatti Bargoven. Qui a terminé cette manche un peu fatigué, je pense. C'est les deux dernières fautes qu'il a fait sur le déplacement. Il est un peu juste sur la partie gauche. Mais il fait chaud, les échanges durent et c'est difficile pour tout le monde. Et sur cette fin de match, ça a été un petit peu pour Benatti Bargoren, à mon avis. C'est vrai qu'Esteban Gaubeka s'est bien repris par rapport à la première manche. Ouais. Et Ibai Pérez aussi. Ibai, les deux font une. De toute façon, on s'y attendait un petit peu à une réaction de leur part. Lors de la première journée à Biarritz, c'était vraiment pas réellement leur niveau. C'était beaucoup trop loin de leur standard habituel. Bien sûr, Imanol et Dan avaient fait une très belle partie. Ils les avaient pris à la gorge et ils les avaient littéralement étouffés. Mais ils ont quand même des atouts et des arguments pour embêter tout le monde sur ce tournoi. Donc voilà, là, aujourd'hui ils sont réellement à leur niveau et ils basculent deux manches à une sur cette partie très importante. La troisième manche vient de se terminer. On va attaquer la quatrième. Donc nous sommes au tournoi de la Palador à Saint-Jour-de-Marenne pour la deuxième journée de cette compétition qui se déroule en 4 journées. Les trois premières, ce sont les phases de poule. Les deux premiers sont qualifiés pour la finale qui aura lieu donc le 1er septembre à Hossegor sur le Rayalay. Nous en sommes à la deuxième journée.
Aujourd'hui, ce sont les vaincus de la première journée qui s'affrontent, donc Beñati Barguan, Iñaki Urrutia face à Esteban Gaubica et Ibai Pérez. Et on le disait tout à l'heure, les vaincus, eh bien, pourraient ne plus voir aucune chance de disputer la finale. Enfin, très mince chance en tout cas. Tandis que les vainqueurs du jour, eh bien, vont se relancer pour la course aux deux premières places. Donc Beñati Barguan, Iñaki Urrutia avaient été défaits par Pablo Fusto et Sylvain Breffel, tandis que Gaubica et Pérez avaient perdu contre Dan Nicole et Imanol. Donc tout à l'heure, on va assister à la partie des vainqueurs, Fusto, Breffel, Nicole, Imanol. Pour l'instant, ce sont dans cette partie Esteban Gaubica et Ibai Pérez qui mènent deux manches à une face à Beñati Barguan et Iñaki Urrutia. Et rappelons que cette partie se joue en trois manches gagnantes, donc nous en sommes à 2 à 1 pour l'instant en faveur de Gaubica et Pérez. Voilà, c'est reparti pour la quatrième manche avec un but de Urrutia qui fait le point. Gaubica, ouais, tout costaud. Ils sont habitués à jouer à Bilbao, il n'y a pas de filet. C'est pour ça qu'il s'est fait plaisir, il a levé, mais ici il y a un filet. Miribilia de Bilbao, il n'y en a pas. Christophe Elissando, Denis Elissando. Vous connaissez tout, Christophe Denis Elissando. Tous les moindres détails de tous les frontons, de tous les joueurs. Ibar Gouin qui fait. C'est le privilège de l'âge. Ah oui, c'est votre anniversaire aujourd'hui, c'est ça. Merci de le rappeler. Bon anniversaire, Christophe. Merci. Tu n'es pas obligé de dire autre. Non. Et moi, le mien. On a juste dit que je connaissais beaucoup de frontons. Allez, Beñat. Ah, elle s'est écrasée complètement. Avec la pelote neuve de début de manche. Situation comme ça, le rebond il est tout petit. Donc, il faut être pratiquement à l'endroit où la pelote tombe. Et regardez, elle n'est pas tombée loin du mur, donc ça faisait vraiment très très près pour Beñat. Ah. Excellent. De la part de Gaubica. Et la défense à Urrutia. Gaubica qui a vraiment pris les choses en main ce soir. Qui a distillé le jeu. Quelques petits péchés de gourmandise, mais dans l'ensemble, ça a été quelqu'un qui a. C'est le joueur qui a pesé sur cette partie. Bien aidé par Ibai Pérez qui a démarré un peu lentement mais qui depuis a très très peu fauté et de nouveau là, il bute très bien défendu Ibai de Urrutia. Merci.
3. Excellent, la demi-volée. Et Ibai qui est là, qui arrive sur cette pelote. Oh, bien défendu, Esteban. Difficile à prendre en défaut cette équipe orange là. Beignet, non, elle n'a pas touché. Non. Si, les arbitres ont dit qu'elle avait été touchée. Beignet ne dit rien, donc ça va être le cas. Pas l'impression qu'elle avait touché, mais. Difficile à dire aussi, hein. Même, ouais. Le ralenti ne va pas nous aider. J'ai pas l'impression que la pelote change de trajectoire. Les deux oranges lèvent la main. Et le joueur noir ne conteste pas. Donc. Très bien arbitré. De la part de nos deux arbitres fidèles et les locaux. Le sergent de Marine Allaire, d'AC Frédéric Darmaillac. Excellente conclusion. Petit lâcher en bas à gauche. Pelote qui va s'écraser contre le. Dans le choco. Sol mur. Très très bonne. Très très bon coup de la part d'Esteban Gaubeka. La pelote, vous avez vu au ralenti, elle s'est écrasée. Il a mis l'effet nécessaire pour cela. Qui fait une faute, ça n'est pas arrivé depuis un petit moment. Elle n'était pas facile à jouer cette pelote. J'ai signé qu'il était parti sur la partie droite et au final il a dû revenir. Voyez, on le voit au ralenti, il était parti à droite. Beignet avait tapé dans le mur de gauche, mais au final la trajectoire était restée un peu bas. Un petit peu bas. Et oui, Beignet. Beignet qui rentre à la volée, mais qui joue un peu bas. Il met de la vitesse, mais ça ne gêne pas Ibai Pérez qui s'appuie justement sur cette vitesse. Et il aime ça, c'est sa marque de fabrique. Ouais. Il est belle sa pelote, il s'est même excusé. Mais ouais. Bon, son coup, il était préparé. Oui, oui. On entend dans la pala qu'il a bien, touché cette pelote. Donc, je pense que c'est. C'est la contre-attaque parfaite. C'était Beignet Ibargouren qui était en attaque, qui a joué un coup en avançant. Il a mal exploité, il n'a pas trouvé une zone suffisamment gênante pour Ibai et il a pu le contre-attaquer immédiatement. Très bien joué. Belle défense de Gaubeka. Ça joue un peu bas. Voilà, c'est mieux. Ibai sera en défense. Il ramène. C'est pas mal. Il n'enchaîne pas. Qui se met au milieu de la cancha 5 et demi en mode rond-point et quand vous êtes son vis-à-vis vous devez lui tourner autour. Regardez la Beignet, il est parti, il a suivi la pelote et hop, et il ne peut pas repasser devant, c'est impossible. Esteban a de la réussite mais il est dépité le bord. Ouais. Il nous fait un petit peu devenir un petit peu fou là sur cette partie, même s'il a réussi à le contrer quelques fois sur le petit jeu, mais globalement, Esteban a pesé grandement sur cette partie. Ibai, métronome. Celle-là, elle est fausse. Mais il fallait que Beignet la frappe à la perfection, comme il vient de faire, pour vraiment lui faire provoquer la faute, pousser à la faute.
très difficile à prendre en revers cette équipe orange ce soir, qui est à 3 points de la victoire et de se relancer complètement dans le tournoi. Non, elle est bonne, elle est bonne. Ouais, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Pas celle-là. Non, 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 je l'ai vu dedans aussi. Il y a Kirutia qui râle, mais la pelote était bonne. Et là, on voit bien, les lignes ont été repeintes. Les arbitres sont dans les meilleures conditions. Regardez. Ah non, elle était dehors, pardon, elle était sur la ligne en direct. Ah, c'est difficile, elle est ouais, ici. Ouais, contrairement à ce qu'on avait vu la semaine dernière à Place Saverry, où il y a du bois, et on entend quand la pelote touche la ligne ou la. Ou la contra-cancha, ici c'est pas le cas. Alors pour les arbitres, c'est vraiment très difficile à juger. Ça va très très vite. Dubaï qui repart sur sa série de demi-volées basses. Bien aidé par Gao Beka qui en fait de même. Qui ouais. Fait quelques fautes là, qui péché de gourmandise, ouais, qui permet le retour. Ouais, il y a deux points, je les ai. J'ai annoncé qu'ils étaient bien partis pour se relancer. Et là, c'est l'équipe noire qui se relance complètement dans la partie. 6-7, ouais. Ça va vite en 10. On devrait. Ils étaient menés 7-3. On devrait être plus prudent dans les commentaires, surtout moi. Et Gao Beka qui commet une nouvelle faute. Routia, c'est Routia qui lâche. Ouais. Routia qui. Une pelote pour accélérer et malheureusement la pelote lui échappe. Iñaki. Et elle n'est pas finie la partie. Rappelons que si Gao Beka et Pérez l'emportent, ils vont se relancer dans ce tournoi. Ils gagneront cette partie, à la fois la manche et la partie. Ivar Gouren Routia bien revient à un point. C'est la partie. Ouais. Pas gêné, pas gêné. Non, non, y a pas gêné. Je pense qu'il est battu, Esteban. Il le sait. Ouais. Il râle parce qu'il a été surpris par la trajectoire de la pelote. Iñaki Urrutia a été dans la partie droite du fronton et il a. Frappé fort, mur de frappe, mur de gauche. La pelote, regardez à quelle vitesse elle sort. Elle sort très très vite. Esteban ne peut pas la jouer. Même si Beignat est devant lui, il ne peut pas la jouer. Il est battu. 8 partout. Et oui. Comme au premier set, même scénario. Enfin, en tout cas, au niveau du score. Vous voyez les oranges pratiquement gagnants en menant 7-3. Puis les noirs avec sous l'impulsion de Iñaki Urrutia qui veulent pas
qui ne veulent pas mourir dans ce tournoi. Bien muté. Défense Nakirutia. Ah, bien tapé. Bon, encore une défense incroyable là. Ah, sur le mur. Tiens, il est pas mort, hein. Ah non. Non, non, non. La Rouvren qui frappe toujours. Lui aussi, il est toujours en vie. Ouais. Ça refait un petit peu la cerise. Un peu fort celle-là, palette. Oh. Le tia qui régale hein, ce soir en défense. Ah, ouais, là, voilà. Il ne peut pas, il peut pas. CD, c'est normal. CD. Ouais, c'est normal. Gaubeka qui fait une partie très sérieuse, hein, qui accule vraiment Urrutia au fond du fronton. C'est un petit, la petite différence, était, je pense, ça. Gaubeka qui a trouvé plus de longueur que Beniat Ivargoren. Et c'est une pelote de partie pour les oranges. Ibai qui va buter. Ah, Beniat qui va s'échapper cette pelote. Tiens. Et ça, là, ça va. Ouais, pelote qui s'égare. Et voilà. De la part de Iñaki. Gaubeka et Pérez donc qui remportent le parti, qui se relance pour le tournoi. Hein, lors de cette deuxième journée. Victoire en 4-7 donc de Esteban Gaubeka Ibai Pérez qui bascule avec une victoire, une défaite avant la dernière journée qui aura lieu à Seignos le 13 juillet prochain où ils affronteront Pablo Fusto et Sylvain Refel. Partie très équilibrée avec de belles prestations de la part des quatre joueurs avec Esteban Gaubeka qui a pesé, qui a eu un gros volume de jeu sur cette partie et qui a fait la petite différence. Fonctionne ? Estamos con Esteban Gaubeka, on est avec Esteban Gaubeka, le vainqueur de cette partie. Muy importante de ganar hoy para vivir en este torneo. Très important de gagner cette partie aujourd'hui pour rester vivant dans ce tournoi. Sí, así es, era partido vital de ganar. Habíamos perdido los dos el primer partido y hoy prácticamente el que perdía casi está en la calle y ahora bueno, con esta victoria dependemos de nosotros mismos para la próxima jornada enmendar otra vez el campeonato y poder llegar a la final. Voilà, on espère bien donc en gagnant cette partie que eh bien on reste en vie et qu'on va qu'on est avec une défaite on était à la rue et là on va bien sûr jouer la semaine prochaine le mois prochain pour tenter de gagner cette finale de rejoindre cette finale. Hoy ha peleado muy bien con tu compañero, un equipo muy completo, ¿no? Une équipe très complète, vous avez bien lutté aujourd'hui. Sí, la verdad es que es una gozada. Disfruto mucho jugando con Ibai. Me hace las cosas muy fáciles, me hace sentirme cómodo en la cancha, hace muchas buenas y yo solo tengo que hacer mi juego ahí adelante porque me despreocupo de la pared, porque él con la zurda hace todas buenas y la verdad es que juego muy cómodo y ha sido un partido perfecto.
Voilà, exactement. Je m'entends très bien avec Ibai Pérez. Il me prépare bien les coups. Je peux jouer comme ça les deux murs. Je peux jouer mon jeu et arriver à gagner. Pero Beñat y Barguren a muy bien luchado aujourd'hui. Votre adversaire Beñat a bien lutté aujourd'hui. Sí, la verdad es que es un competidor nato, ¿no? Se tira por el suelo a todas, es muy rápido y al final es muy difícil de jugar contra él porque le da velocidad y no sabes muy bien para dónde la tira y la verdad es que es muy complicado jugar contra él. Ha luchado, como dices, es un guerrero y bueno, por suerte le hemos podido enderezar y hemos ganado el partido. C'est vrai que Beñat il est assez imprévisible, on ne sait pas où vont ses coups, c'est un guerrier, c'était aujourd'hui une très bonne performance d'avoir gagné contre lui. Muchas gracias, Esteban, y hasta el mes próximo en julio. En julio nos vemos. Muchas gracias a vosotros. A ver si echamos otro buen partido. Gracias. Voilà, gracias. Nous allons peut-être attendre un autre joueur. Ils ont rejoint. Tiens, Beñat Ibargüen qui est là. Le vaincu de cette finale, Beñat. Beñat, ven con aquí. Bon, Beñat, hoy, el mejor ha ganado. ¿Le mejor en gagné aujourd'hui? El mejor. Yo no, el mejor ellos, mucho mejor ellos. Han ganado utilizando bien la cabeza. Yo no he jugado tan bien como quería. Voilà, c'est les meilleurs ont gagné, bien sûr. Moi, je n'ai pas joué comme j'aurais voulu. Había Esteban Gaueca delante, frente a ti. Pero ha jugado también tu juego, ¿no? ¿Has jugado tu juego hoy? Sí, Esteban tiene mucho juego adelante, mucho juego en los cuadros alegres y a mí también me gusta mucho. Entonces, le conozco un poco y cuando él arriesga, yo le arriesgo mejor. Le puedo hacer perder un poquito la cabeza. Ouais, j'ai essayé de lui faire perdre la tête, mais bon, c'est un excellent joueur. Ahora, que perdiendo los dos partidos, ¿qué espera de este torneo? Ils ont perdu les deux parties, qu'est-ce que vous espérez de ce tournoi? Siempre ganar. Siempre que nos ponemos pantalón blanco y entramos en un frontón, entrenamiento individual, entrenamiento de parejas, partido, siempre ganar. Espero que próximo partido pueda controlar mejor la respiración con el calor, porque cuando hace mucho calor mantener la respiración cuesta un poquito más recuperar mejor y hoy me ha pasado factura. Voilà, c'est vrai que quand on rentre dans une cancha, même si on a perdu les deux parties, on va rentrer pour gagner, on met le pantalon blanc pour gagner, c'est ce qu'on va faire le mois prochain. Mais il a été aujourd'hui très difficile de respirer avec cette chaleur. Il a été assez gêné incommodé par cette chaleur, il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. Gracias, Beñat, et à la prochaine fois. Eso es. Gracias a vosotros, gracias a todos los que hacéis que este deporte sea tan bonito. Y los que venís, que nosotros disfrutemos viendo que la gente viene y agradece con esta alegría, nosotros nos sentimos los ganadores porque veremos a la gente contenta. Voilà, Beñat, il veut souligner un petit peu le succès de ce tournoi, que les gens viennent, que pour eux c'est un plaisir, ils ont beaucoup profité ils profitent toujours de jouer devant ce public, et donc voilà les remerciements de Beñat, et il dit même si on a perdu, eh bien, on est les vainqueurs aujourd'hui. Perdona, tu as dicho que perdiendo tú eres ganador. Eso es, hay que seguir ganando y muchas gracias porque esta oportunidad es muy importante para mí y voy a intentar hacerme con la chapela porque siempre hay que ganar. Et esto es una alegría. Gracias. Voilà. Donc pour lui, c'était une opportunité, ce tournoi, de se montrer et de pouvoir gagner la semaine prochaine. Voilà, donc on va maintenant tourner la page. Et Christophe, on va assister à la deuxième partie de ce tournoi ici à Saint-Jean-de-Maraine.
Voilà, piste donc pour la deuxième rencontre de la soirée ici à Saint-Jean. En piste donc pour la deuxième rencontre de cette soirée ici à Saint-Jean-de-Varenne dans ce tournoi de la Palador. C'est la deuxième journée après celle que nous avons connue à Biarritz le mois dernier. Et nous allons assister donc à la deuxième rencontre. Les deux équipes qui se font face, Dan-Nicole Imanol et Pablo Fusto, Sylvain Breffel, eh bien, sont les vainqueurs de la première journée. Donc le gagnant aujourd'hui, eh bien, aura fait un grand pas vers la finale. Oui, on est sur un autre état d'esprit, on va dire, les joueurs, que la partie précédente où avant c'était malheur aux vaincus. Et là, on va dire, heureux seront les vainqueurs. Pratiquement comme une demi-finale pour les joueurs, ou plutôt une première chance d'accéder à la finale, parce qu'en perdant, ils ne seront pas pour autant éliminés. Donc c'est une première cartouche, on va dire, pour valider la place en finale entre deux équipes très, très calibrées, on va dire, pour le très haut niveau. Les joueurs qui ont fait leur preuve depuis très longtemps sur l'échiquier international notamment. Des titres de champion du monde, des exploits partout à travers le monde. Donc on devrait voir un très grand spectacle, je pense, et on espère tous sur cette partie. Dan-Nicole, c'est le local de l'étape, c'est l'organisateur, et il a vu le jour ici, il a grandi ici à Saint-Jean-de-Marenne. Il s'occupe des jeunes de Saint-Jean-de-Marenne. Beaucoup de choses dans l'école. Et il joue, il est également professionnel. Il a été champion du monde de Palacorta également à Barcelone il y a 5 ans maintenant. A été lancé par monsieur le maire de Saint-Jean-de-Marenne. Un jeune maire. Oui, monsieur Di Ribéry Mathieu. J'habite Saint-Jean, hein. J'ai pas de. J'ai aucun mérite. Que je connaisse les frontons, bon voilà, là j'ai. Ok. Là j'habite à Saint-Jean, je me dois de connaître monsieur le maire. Imanol, l'homme de scène, on a connu d'autres, les Imanol. Il a un peu le même gabarit. Imanol Ibáñez Pérez. C'est plus facile de dire Imanol. Oui. Allez, la partie va commencer à me rappeler l'histoire. C'est vrai, là, parce que j'avais demandé des confirmations. Quand Imanol Harry Lordopi a disputé son premier tournoi, son premier partie internationale, un journaliste lui a posé une question. Connu, qu'est-ce que ça veut dire Imanol? Ah, Imanol lui avait répondu, Imanol, ça veut dire Imanol. Mais il a raison. Il a raison, totalement. J'avais bien apprécié. Et sa carrière a fait que on pouvait l'appeler par son prénom. Ouais. Imanol, il est au but. Donc, il mène 1-0 avec Dan-Nicole. Voilà, il devrait y avoir des watts comme on dit. Faute à nous. Faute de Sylvain Breffel. Dan-Nicole en gros plan, le joueur de Saint-Jean-de-Marenne.
Ben Nicole, il n'aura pas envie de décevoir son public, ça c'est certain. Non, il est rentré tambour battant dans la partie tel qu'on le connaît. Il avait déjà un gros volume de jeu. Il sollicite son copain Sylvain. Là, pendant une heure, un peu plus d'une heure, ils ne seront pas copains. C'est vrai. C'est normal. C'est la compétition. Ouais, il maîtrise ce coup là, c'est fabuleux. Ah, Fusto qui met en difficulté son vis-à-vis d'Anne Nicole. Ouais, la pelote de. Claude Imanol avait été travaillé, énormément travaillé avec son poignet. C'est quelque chose qu'on va constater. C'est sa façon de jouer à Imanol. Et Pablo, en voulant maîtriser son effet, forcément a livré un peu la pelote. Il n'a pas pu la récupérer. La pelote encore un peu froide, s'est écrasée devant. Très bien joué de la part d'Imanol. Pablo qui défend. Dame Nicole qui varie ses coups devant, ouais. Derrière. Belle pelote d'Imanol. Ouais, c'est très bien joué. Il y a déjà beaucoup de variations, hein, des zones qui sont recherchées par les joueurs, avec des variations aussi dans les intensités de frappe. Même Dan qui a eu pas mal de pelotes sur ce point, qui a tiré de mur, qui a mis de la vitesse, qui a mis du rebond juste devant Sylvain. Ouais, ça part fort, ça part très fort. Si, c'est bien joué. Ouais. Contre-effet de la part de Pablo. Très facile à faire à gomme pleine. Un peu moins à la larga. Ce serait intéressant d'étudier la rotation de la pelote, comme il y a l'émission, je pense que vous connaissez l'émission Invisible sur Canal+, qui montre des gestes techniques avec des analyses un peu biomécaniques du mouvement. Notamment, il y avait eu sur la passe vrillée de Baptiste Serin pour la rotation, comment il faisait tourner le ballon, ça. Et bon, en tennis de table aussi, comme ça. Et là, je pense que sur la vitesse, comment tournerait la pelote aussi, ça pourrait être intéressant sur certaines situations. Ah, c'est bien réussi de la part de Pablo. Il ne faut pas confondre avec bien joué. Ça, c'est bien réussi. D'accord. Il y aura d'autres fois, ça sera bien joué. Là, il a eu beaucoup de réussite. Ça tape très fort. Ça tape très très fort. Je ne sais pas si les internautes s'en rendent compte devant leur écran. Mais ouais, ça tape, ça cogne dur. Et là, Dan qui termine le point. Ouais, il tient cette palette quand même. Il n'a pas l'état. Très bon maniement de l'instrument.
Stéphane qui a voulu aller intercepter la pelote avant qu'elle touche le mur de gauche, ce qui était une très bonne option, mais elle était difficile à jouer avec la main droite. Il n'avait pas l'espace nécessaire pour. Il était coincé au mur, on va le revoir. Il est obligé de se mettre sous la pelote, mais il n'a pas réussi à bien s'ajuster pour réussir son coup. Vous expliquez, Christophe. Sylvain Raphaël, lui, bute la partie gauche du fronton, près du mur. Oui, contrairement aux autres. Ah, c'est pour essayer d'avoir un espace moindre pour pouvoir ranger la pelote à gauche. C'est bien de pas. Souvent, s'il y a un petit point faible, on va dire, dans son jeu, c'était le but. Voilà, souvent. Voilà, il engageait simplement, il n'avait pas l'agressivité ou qu'il peut déployer dans le jeu. Et du coup, il essaye, il a beaucoup travaillé, mais voilà, il essaie de trouver des petites astuces comme ça pour essayer de masquer cette petite carence qui est minime. Hein. Parce que quand on a, sur certaines très grosses parties qu'il a eu fait dans sa carrière, il a très bien buté avec sa manière de faire, bien sûr. Ce n'est pas spectaculaire, mais il avait bien géré les situations. En tout cas, il n'avait pas failli sur cette phase de jeu. Et là, on se tient, hein, on ne se quitte pas au score. 5 partout. Il n'y a jamais eu d'écart. Deux points, toujours un point d'écart. Pablo qui avait laissé rentrer Sylvain là sur cette pelote. C'était bien trié par Pablo. Mais Sylvain qui a voulu conclure le point, malheureusement, la pelote n'est pas bien sortie de sa pala. La pelote que Dan elle a voulu la couper et l'effet a été bien marqué au niveau du mur et là, a fait monter la pelote. Elle a touché le filet, donc c'est une faute. Un point pour les oranges. But bien rangé de Sylvain. Petite faute de Sylvain qui décentre. Peut-être la plus belle du point pour Dan. Et c'est pour ça qu'il a voulu la forcer, vouloir faire basculer le rapport de force pour lui. Mais elle s'est échappée sur le côté droit. Voilà. Un peu derrière, un petit peu derrière. Sylvain, qui est décalé, qui a fait déplacer Imanol sur le côté droit. Un petit peu de cette manière-là qu'on vient de jouer des gauchers, il faut les écarter du mur de gauche où là ils sont très à l'aise généralement. Regardez là un déplacement, il est un petit peu lent entre guillemets sur son déplacement, ce qui fait qu'il n'a pas été bien ajusté. Il a fait faux. Donc Sylvain et Pablo qui passent devant là, pour la première fois je crois de la manche. Ouais, tout à fait.
perché. Non, non, est-ce qu'elle va? Non, elle va rester là. Donc il s'est coincé, donc il faudra terminer avec une pelote neuve que Imanol choisit. Parce que c'est lui qui a dû la choisir au début. Ah oui, on voit la pelote au-dessus du grillage. Ouais. Elle sort. Ouais. Voilà, les oranges qui concluent ce premier set. Très bonne première manche de la part des quatre joueurs. Et Sylvain et Pablo qui ont un peu plus serré le jeu, comme on dit, sur la fin de la manche, là, avec Imanol qui a fait deux fautes là, en se déplaçant sur la partie droite. Sylvain qui avait fait deux fautes aussi un petit peu inhabituelles pour lui. En décentrant les pelotes, a bien fini le set, a bien buté. Il a passé Dan, qui reste un joueur très dangereux. Je pense que la stratégie des Oranges, justement, c'est de. Essayer de priver les pelotes de Dan, même si ça sera difficile parce qu'il se déplace énormément et qu'il en prend beaucoup. Mais je pense que c'est leur stratégie en décalant. Début de cette deuxième manche avec Imanol au but. Dan Nicole et Imanol qui avaient mené la danse sur la première moitié de la première manche avant d'être débordé. Et leurs avant en difficulté. Et le bras de fer. Bien tapé de la part de Dan. Le bras de fer de ce premier point. Ouais, joue un petit peu droit jusqu'à présent, mais là sur cette pelote, il a bien croisé, il a gêné, il a poussé Sylvain à la faute. Sylvain qui était venu devant, qui avait tiré le point, et là Dan ce coup-ci il y était, il avait bien anticipé et il a puni Sylvain en croisant la pelote parfaitement vers le mur de gauche. Attends. Oh là là, bravo, bravo. Voilà. Super. Superbe deux murs à la volée de Pablo Fusto de la gauche. Mais c'est un joueur qui est admiratif. Ouais, bien sûr, parce que regardez la posture, ouais. Elle est parfaite. Hein. La pelote, elle est posée. Le coup, il est vraiment volontaire et préparé, on va dire. Après, Pablo, c'est quelqu'un qui est vraiment presque un vrai ambidextre, parce que c'est quelqu'un qui écrit de la main gauche. Donc bon, il est
Là, il est prédisposé, on l'a toujours connu comme ça. Il est sur le circuit depuis la première fois qu'il a été sur une compétition internationale. Il avait 15 ans, donc on le connaît depuis très longtemps. Et il a toujours eu cette faculté à jouer des deux bras avec un énorme physique. On va revoir. On va voir son coin. On a l'air fausse au sol. Et je pense qu'elle a tout compté bonne. Voilà, c'est parti pour un bras de fer encore serré de partout. Dans cette seconde manche. Combat entre Nicole et Fausto. Il n'est pas content, Pablo Fausto. Il a été gêné. Un petit peu de tension sur le fronton. Oui, c'est étonnant. Hein, ouais, non, c'est des joueurs qui sont hyper compétiteurs, qui sont voilà, qui ont déjà tout gagné, mais ils sont en quête d'une nouvelle finale. C'est véritable. Il a donné le point à refaire. Ouais, le point est à refaire. Ça donne dans l'école et il le fait savoir par ce point tranché. Point avec beaucoup de réussite de la part de Dan. Le public applaudit et ça ne plaît pas à Pablo Fausto. Donc attention, attention, c'est palpable. Pourtant, Fausto, c'était un joueur qui est assez calme, non, qui n'extériorise pas les. Ça reste un Sud-Américain. Ouais. D'accord. Avec bien sûr que c'est des joueurs qui aiment quand il y a de la tension et qu'il y a de l'ambiance, on va dire. Pas sourire. Elle est sortie. Pas content quand même, Imanol. Il a d'ailleurs tapé cette pelote avec dépit, semble-t-il. Ce serait bien de le revoir. Alors. Voyons. Ouais. Fausto qui est passé devant. Bloqué. Se positionne, comme c'est un joueur qui joue des deux bras, il se positionne au milieu de la cancha. Ouais, et du coup, il est un peu dans l'axe. Des, ouais, il est dans l'axe un petit peu. Et Imanol le connaît, il le connaît. Il a joué très souvent contre lui. Il sait à quoi s'attendre, mais bon, il était un peu de tension et l'agacement est palpable.
Celle-là, c'était de trop, je pense. Sylvain était bien derrière et Pablo a un peu surjoué là. Un joli but d'Imanol en deux murs. T'es bien renvoyé. Un peu faute de la part d'Imanol là. Ça entache un peu son début de partie. Deuxième but chaud de Sylvain dans ce match. Six partout, on se tire. Hein. On va voir si la partie cette manche va se décanter comme lors de la première. Ouch. Bien Sylvain, bien tenu. Ça joue des coudes, oui. Ouais, des épaules. Ah, bravo, Emmanuel. Comme vous disiez, Christophe, il a trouvé la bonne zone. Ouais, ouais. Là, Pablo qui n'a pas, pas pu se dégager de la trajectoire. Du coup, il n'a pas vraiment regardé taper. Il n'a pas pu prendre l'information pour savoir où est-ce qu'Emmanuel allait envoyer la pelote. Regardez, il n'a pas regardé, tapé. Après, c'est difficile d'anticiper la trajectoire sans regarder. Et Sylvain qui se fait plaisir hein, sur la volée. Là, ça lui part bien, il touche bien la pelote. Et Adam qui s'est engagé à jouer cette pelote, il aurait peut-être pu la laisser. Facile à dire après coup. Contrôle de la droite. Ah, Sylvain qui défend. Allez, bonne pelote pour Dan Nicole peut-être. Il va pas mettre en difficulté son copain Raphaël. Cède là sur cet échange. Tout à l'heure, ils ont cédé aussi en fin de set, là, Nicole et Imanol. Et on en prend peut-être le chemin. Tout à l'heure, ils menaient 7-5, ils se sont fait battre 7-10, et là, ils menaient 7-6. Ouais. Et les autres sont passés devant 8-7. Ouais. On se rappelle au premier set, la fin, c'était Imanol qui avait fait deux fautes là. Des moments clés, et là il vient d'en faire une, à voir comment ça se conclut. Ah, mais là par contre il fait le point, un peu de réussite, mais il équilibre son ratio. La pelote a pris le pic et elle est partie pratiquement à l'angle droit sur la droite. C'est un coup que font souvent les gauchers. Des faits qui mettent
momentum de la partie, de la manche. Un nouveau mot à la mode. Super, super de la part de Pablo. Quelle frappe là, qui va se loger juste derrière le 8. Ouais, ils sont sur le point de remporter la deuxième manche, 2-0, ça ferait lourd pour Nicole et Imanol. Pelote qui échappe un peu à Sylvain, mais Pablo en avançant n'avait pas fait non plus bon usage de la pelote précédente, il était trop tombé sur Dan. Je pense que de s'en vouloir un peu. 9 partout, dernier point de la manche. Très important ce break. Il pourrait basculer. Fusto Breffel à 2-0 ou alors donner l'égalité à Dan Nicole et Imanol et au but. Imanol. Attention. Oh. Et voilà, le point pour Dan Nicole. Ouais. C'est la manche. Il a fait deux fautes là. Pour Dan Nicole et Imanol, le centre de marche. Mais ça avait fallu de peu. À 2 à 0, ça aurait été un petit peu difficile après. Ouais, ça aurait été difficile pour Dan et Imanol, même si sur le. Sur le contenu, on va dire, de la partie, ils sont pas loin, mais enfin bon, le score aurait été sévère, on va dire. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que bon, c'est 4 joueurs de très haut niveau et que dès qu'il y en a un qui baisse un peu, ben c'est l'équipe en pâtit et l'équipe adverse en récolte des fruits, on va dire. Sur le premier set, c'était Imanol qui a fait deux erreurs sur les trois derniers points. Et là, c'est Sylvain qui a lâché un petit peu. L'avant-dernière, elle était un peu difficile, elle était en défense. Celle-là, elle était un peu plus en avançant. C'est une faute qui est un peu dommageable pour Sylvain. Mais bon, je trouve, bon, si on reste sur l'analyse de la partie de Sylvain, je trouve vraiment bien disposé, beaucoup mieux qu'à Biarritz l'autre jour. Voilà, on avait dit qu'il pâtissait de son manque de pratique, il n'est plus professionnel. Donc il pratiquait très très peu la palette à larga. Il sortait de la palette à cuire, du championnat de France de palette à cuire. Là, il a dû s'entraîner. Un peu plus spécifiquement sur la pala larga et ça se voit, il touche beaucoup mieux, il a des coups, il est beaucoup moins gêné par les trajectoires de pelote. Il fait une très bonne partie, c'est dommage que cette fin de second set là soit un petit peu ratée entre guillemets de sa part. Enfin, c'est que 2 points, hein, c'est pas. Mais quand c'est serré, effectivement, ça se sent. Quoi. Voilà les statistiques là de. Une faute et des points, ouais, Sylvain il a fait que 2 fautes mais il les a fait à la fin. 5 fautes, pardon. Il y aurait dans la manche. La troisième manche, une manche partout pour l'instant dans cette seconde rencontre, dans cette seconde partie de poule qui se déroule ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Deuxième journée de la Palade, 4 journées en tout, 3 journées de poule pour les 4 équipes et la 4e journée sera bien sûr la finale
disputé entre les deux équipes ayant terminé aux deux premières places. Manol. Dan Nicole donc devant son public, là, le voilà, au four et au moulin. Il organise aussi ce tournoi. Le deuxième du nom. Deuxième édition. Les joueurs qui se parlent là, c'est animé. Ouais. C'est bien. On aura peut-être une petite prison tout à l'heure. Rappelons que l'arbitre a le droit. C'est spécifique à ce tournoi. C'est une partie comme ça importante là. Des codes de... d'honneur de la pelote, eh bien, il va faire un tour en prison pendant un point. Et il m'annonce ça lui pas rondé. Un petit peu, oui. C'est ce qu'il a voulu faire, mais il a mis un peu trop l'effet. Il chambre un peu le public. Ouais, il chambre un petit peu. Et... ben, c'est Amérique du Sud. Hein. C'est un Argentin. On les connaît. Bon, voilà, c'est comme ça. Ils ont le sang chaud. Il est grand, ça lui a servi. Ouais, c'est un beau geste. Contracté Dan Nicole. Non, il est dans sa partie, non. Sauf que là, il a eu une pelote qui était difficile à jouer. Il a dans les pieds, il a une demi-volée avec un petit déplacement à faire. Ça reste des coups difficiles à effectuer. Et il a un peu de frustration parce qu'il sait que c'est une manche importante, une partie importante. C'est normal. Oh, il avait
doublé, pas doublé. Alors. Ouais. On va le revoir ailleurs. Ah oui, net, nettement. Ouais. Très bien tapé, Dan. Bonne longueur. Maintenant le but. Merci au ralenti de Pixel. Toujours excellent. Ouais, de superbes images. Ouais. Société de production qui suit donc la Palador tout au long des 4 journées. De lui. Non. Il est frustré, Emmanuel. Il s'est agacé. Il s'énerve un peu. Oui. Il s'est agacé avec le positionnement de Pablo. Il a reproché pas mal à vos arbitres que d'intervenir auprès de Pablo pour lui dire de sortir de la trajectoire qu'il ne pouvait pas taper correctement. Et je pense que cet agacement, cette contrariété le suit. Il lui provoque quelques fautes. Sachant que les trois autres joueurs sont très en forme et font une très belle partie. Lui, il accuse un peu le coup et ça se ressent un peu sur sa technique, même si ça reste une prestation très solide de sa part. Bien tapé, Pablo. Dans la zone 6-7 à gauche. Très très bien les oranges là qui sont. Ils font le break là. Hein, ouais. La première fois de la partie. Ils se détachent autant. Et autant comme on avait vu tout à l'heure, Gaubeka et Pérez faire une partie un peu plus aboutie que la semaine d'avant. Que la première. C'était pas la semaine dernière, lors de la première journée à Biarritz. Là on voit aussi Pablo, Fusto et Sylvain Breffel meilleurs également qu'à la première journée à Biarritz. Surtout Sylvain, on en a parlé avant, mais Pablo Fusto aussi fait quand même une très grosse partie. C'est vraiment encore du très très haut niveau. Ouais, celle-là, elle s'échappe. Un peu gêné sur certaines trajectoires, Sylvain, qui sont spécifiques à la Palalarga quand la pelote elle touche le mur et que les adversaires mettent beaucoup de poignées, comme vient de faire Imanol. Là. Du coup, on voit bien que la mise à distance avec la pelote n'est pas bonne et il peut pas frapper correctement. Et quand le jeu est droit par contre, il n'y a aucun souci. Bien Sylvain, bravo. Il m'a fait mentir. Il n'a pas du tout été gêné par cette pelote. Qui se retrouve un peu. Sera courte, allez les votes. Et voilà, petit retour là de Dan Nicole et Manol, 4 à 6. Très très beau point encore. Point long, très disputé avec des déplacements pour les joueurs. Et on voit Pablo Fusto essayer de récupérer là, ouais. En s'appuyant contre le mur. Vrai que c'est le plus touché. Ouais. Ça commence à piquer, comme on dit, ouais. Pour les joueurs. On est au troisième set hein, et on est au cœur de la bagarre. Et de ce côté-là, côté physique, Dan Nicole, il est au point. Là, il ne l'était pas. Non, c'était techniquement. Ils n'ont pas réussi à s'entendre là sur cet entre-deux avec Imanol.
Qu'est-ce qu'il a, Pablo Pousset? Il est pas content encore? Ou il est dépité? Pablo, il aime pas ça quand il prend des points involontaires de la part de l'adversaire. Il déteste ça. Et c'est quelque chose qui le frustre beaucoup. Il lève toujours les bras, il est très théâtral. Ah non, elle est bonne. Ah ouais, ça échappe. Bien tapé, Dan, bien croisé. Très très bien tapé. À 7. Là, on est vraiment sur le point clé de la partie. Elle sort, ouais. Elle est sortie. Elle est collée, elle est collée. C'est l'égalisation. Elle est revenue quand même. Mais ils étaient menés 4-6, 4-1, 6-4, 7-4, et voilà 7 points. Fait se faire surprendre à la Pablo, l'autre qui a fait pique. Non, elle était bonne. Pablo a bien fait de la jouer. Celle-là, elle est bonne. Ah, elle sort la ligne. Ah, sur la ligne. Ouais, je crois qu'elle est dehors. Personne ne conteste. Non, elle est dehors. Il s'est échappé en touchant le mur. Il est arrivé de droite vers la gauche. Peut-être qu'il aurait dû la jouer de la gauche, surtout quand on sait les coups qu'il a de la gauche. Ouais, non, elle est bien dehors. Elle n'est même pas sur la ligne. Elle est vraiment dehors. Elle est échappée. 8 à 7, les noirs qui passent devant. Ouais, 4 points d'affilée. Bien tapé. Oh, la demi-volée à la sortie du mur. Du velours. Bien Pablo. Ouais, parce que la parole du ballon était bien passée. Ouais, beaucoup d'effet. C'est bien qu'il lâche là. C'est dur là. Il a des pelotes difficiles à jouer, il a un peu moins de pelotes franches à jouer comme il avait au début et qu'il les utilisait très très bien. Et là il a des pelotes qui plongent, qui sont là, il lui manque un petit pas. Peut-être un peu de fatigue aussi, il fait chaud. Et une pelote pour basculer pour l'équipe noire, deux manches à une. Manon qui défend. L'effet de Pablo, parfait. Ouais, Dan qui y va. Celle-là aussi, elle est bien tapée. Emmanuel, ouais, incroyable, avec la droite. De la droite, ouais. Ouais. Oui, le ça part. Et c'est bien qu'il lâche. Et voilà. 5 points d'affilée de la part de Dan Nicole et Imanol. Alors qu'ils étaient mal menés là en ce début de manche. Et on disait que Pablo et Sylvain faisaient une super partie, qu'ils jouaient beaucoup mieux qu'à Biarritz, etc. Voilà. Et puis ça a tourné. Ça a tourné. On a dû encore porter malheur. Hein. Et en plus, c'est vrai que Pablo Fusto et Sylvain Brefel avaient à 9 partout à la deuxième manche. Ils avaient l'occasion de basculer. À 9-8, je crois, ils menaient. Ils menaient 9-8, 9 partout. 2-0, ouais. Ils auraient pu mener. Et là, c'est 2-1 pour les autres. Et voilà, ils ont pu mener 2-0. C'est 2-1 maintenant pour Dan Nicole et Manon. Ouais. Ah ouais. Là, c'est... sur le dernier point de la deuxième manche. Trois manches gagnantes dans l'école Emmanuel
qu'il leur manquera une manche pour s'imposer et pour sûrement atteindre la finale dans un... jouer plus sereinement dans un point pour atteindre la finale dans 2 mois. Allez, début de la quatrième manche entre Dan Nicole et Manol qui mène 2-1 face à Pablo Fusto et Sylvain Breffel. Le but, c'est Sylvain Breffel. Partie se joue en 3 manches. C'est peut-être la dernière. Et on a vu que sur l'ensemble de la partie, on a l'impression, et ce n'est qu'une impression, que Dan Nicole et Imanol sont peut-être en train de prendre le dessus. À voir. Oui, parce qu'on disait ça des oranges il y a 5 points et ça a tourné en leur défaveur. Premier point pour les Noirs, Dan Nicole et Imanol. Pelote difficile à négocier pour Sylvain qui se retrouve à jouer une demi-volée. Il a un peu dans les pieds qui plonge. Pelote froide. Ibáñez Pérez, nom de scène Imanol, il est né à Bilbao. Dan Nicole, lui, il est de Saint-Germain. La ville qui accueille aujourd'hui cette deuxième étape de la Palador. Fusto qui va reprendre sa grinta. Ouais.
Mais il en a lui. Qui est attaqué par Fusto. Ils insistent sur les manœuvres. Il palote pour Dan Lecole. Là, le premier point, là, ou le deuxième point de la marche, là. Juste pour se faire monter le cardio un peu. Ouais, maintenant, il est sollicité, lui. Ça doit monter. Oh, demi-volée de la gauche. En changeant de main au dernier moment. Fabuleux. Il s'y vient. Il la met un peu au milieu. Ouais, c'est Dan qui lâche avec la gauche de peu sur la ligne, dommage. Très beau point encore. Pablo qui s'appuie contre le mur, il essaie de récupérer. Il fait très chaud. Il faut récupérer là. La priorité, ça sera ça, de récupérer. Et les joueurs ne peuvent pas prendre de temps mort, ne peuvent pas faire demi-faute pour récupérer justement. Donc là, c'est très dur. Très, très dur. Aïe, aïe, aïe. Nouveau but faux de Sylvain. Un petit peu, bravo Pablo, bonne longueur. On va se battre jusqu'au bout encore dans cette manche. Petites fautes qui vont peut-être se payer à la fin. Ouais, peut-être oui, parce que c'est des parties comme ça ultra serrées avec 4 joueurs de même niveau. Et Pablo. Ouais. Et un peu moins bien placé là. Il est un peu au ciel aussi. Oui. Il n'a pas maîtrisé correctement parce qu'il était en retard sur cette pelote. Chacun une faute. Ouais. Raphaël, Fusto. 4 à 2 donc. Deux fautes. Deux points. Ça fera peut-être beaucoup. C'est bien, bien remis, c'est les bottes. Ah, là, c'est Dan qui fait la faute. Ouais, il y a quelques petites fautes là. Bon, c'est normal, hein, c'est un moment un peu creux de la partie. On est au début du quatrième set. Le troisième a été un set bascule quand ça fait un set partout. Donc, il y a peut-être un peu moins de, on va dire de concentration, d'attention de la part des joueurs. C'est un moment un peu creux, ça arrive. Mais là, quand ils vont arriver autour de 6, parce qu'ils vont être à 6 ensemble ou pas loin, et ça va de nouveau partir jusqu'à 10. Ah, très fort. Ouais, Sylvain qui vraiment est en difficulté avec son rebond. Il s'en est bien tiré. Ouais. Bien joué. Oh, joli point. Enfin, joli coup de Dan Lecole. Ouais. Ah, Dan Lecole, il est en train de faire déjouer Pablo Fusto.
Attention à Pablo Sesto. Imanol est toujours là. Bien tapé. Bien tapé, Dan. Ah, Sylvain. Marque le pas peut-être. Ouais, un petit peu, venir, un petit peu. Il a fait deux premiers sets de très très grosse facture avec beaucoup d'engagement physique dans ses frappes. Et là, il a l'air un petit peu fatigué. Son ajustement est un peu moins bien réussi. Bon, Christophe, on arrive à 6 et vous avez donné rendez-vous à 6. Ouais, mais les oranges ont pris le pas. Donc, j'avais dit 6 partout. Ouais. Il n'y aura pas 6 partout. Faute là de Sylvain qui a montré un signe de dépit, un peu d'agacement. C'est pas dans sa nature, c'est quelqu'un d'ultra positif qui est toujours dans l'encouragement avec son partenaire et qui est toujours très positif sur la cancha. Partenaire vraiment exemplaire. Ah, bien joué, Dan. Très belle conclusion. Je crois que là, 8-3. Moi, je dis plus rien. Non. Si on veut que la partie se prolonge, je vais dire que les Noirs ont quasiment gagné. Comme ça, les autres vont revenir. Mais moi, je vous le dis. Ils sont sur le bon chemin. Oui, ça, c'est sûr. Donc, vous prenez le risque de le dire, c'est ça? Devant son public, des coups parfaits. Je crois que c'est bon pour lui. 9-3, voilà. Comment on dit, balle de match. C'est ça. À la Nobia. Match point. Dernier point. Peut-être le dernier point. Dernier engagement pour Imanol dans cette manche. Et buté. Et voilà, la partie est terminée sur la victoire de Dan Nekol chez lui dans son jardin et Imanol face à Pablo Fusto et Sylvain Breffel. 3 manches à 1. On va donc retrouver Dan Nekol et Imanol bien placés, les seuls avec 2 victoires après cette deuxième journée. Ensuite, on aura avec une victoire Ibai Pérez et Esteban Gaubeka ainsi que Pablo Fusto et Sylvain Breffel qui s'étaient imposés lors de la première journée. Alors, on va retrouver maintenant les joueurs sur la cancha. Donc à l'issue de ces parties de parties de ce soir hein, au niveau du classement, on peut d'ores et déjà dire que Dan Nekol et Imanol sont en finale avec 2 victoires. Ils ne pourront plus être rattrapés par Ibarguren et Ibarguren Urrutia qui eux ont 0 victoire. Donc même s'ils perdent contre eux la dernière partie, ils n'auront qu'une victoire et après s'affronteront à la dernière journée Gaubeka Pérez contre Fusto Breffel. Et ça sera une véritable demi-finale puisque l'équipe gagnante partira en finale face à Dan Nekol et Imanol. Voilà, donc on a vu une très très belle partie avec des joueurs de très haut niveau qui ont déployé un magnifique jeu. Et sur la troisième et quatrième manche, on a constaté un peu plus de fraîcheur physique chez l'équipe noire, Dan et Imanol. Imanol qui est monté en puissance tout au long de la partie, qui a fait deux premières manches avec quelques petites scories dans son jeu, mais après il a été vraiment incroyable de puissance, de variation d'effet. Et il a bien tenu la pelote à l'intérieur et permettant à Dan de s'exprimer et de faire mal à ses adversaires comme il en a l'habitude de faire. Voilà, mais bravo à Sylvain et à Pablo pour leur prestation.
faut faire une belle partie, il faut être 4, et ce soir on a vu une belle partie grâce à ces 4 formidables joueurs. Oui, nous allons donc attendre les 4 acteurs. Et ils ont disparu, on va... Voilà donc avec les deux Français de la compétition, Dan Nicol, vainqueur aujourd'hui, Sylvain Breffel. Sylvain, d'abord, vous avez perdu. Il y a eu un moment bascule dans cette rencontre à la deuxième manche, 9 partout. Vous pouviez basculer à 2-0 et c'est eux qui font, c'est eux qui gagnent la manche. C'est ce que je disais en fait dans cette discipline. Celui qui gagne, c'est pas celui qui fait le plus de points, c'est celui qui fait le moins de fautes. Et je fais deux fautes impardonnables, tu vois, dans cette manche-là. Ça les fait passer. Après, c'est eux qui provoquent. Dan me fait reculer. Je suis un peu trop avancé. Sûrement le manque aussi de jeu qui me fait souvent être mal placé. Mais écoute, ils ont serré les dents. Et ils ont gagné le set. Et petit à petit, tu sais, voilà. Cette discipline, tu tapes, tu touches le mur un peu mieux, tu lèves un peu plus. Et tu te retrouves rapidement à faire des points et à être devant. Voilà, donc félicitations. Ils n'ont pas lâché le morceau. Voilà. Dan Nicol, devant... Votre public, c'était aujourd'hui important de s'imposer pour vous. Enfin, vous avez eu d'entrée de jeu motivé comme d'habitude, mais là peut-être un peu plus. Ouais, j'étais motivé comme d'habitude, ouais, mais aujourd'hui j'avais un peu plus la pression, je vais être honnête. Ça s'est vu dans mes frappes, je pense, j'ai moins lâché que d'habitude. Et après, ils ont bien joué au début, Sylvain et Pablo. Ils ont cassé les pieds, Pablo jouait beaucoup devant moi. Manol avait du mal à le passer, ça m'agaçait. Mais voilà, ça a agacé beaucoup de monde. Imanol aussi était agacé par son positionnement. Ouais, il était agacé après moi parce qu'il disait que je reculais, mais j'essayais de reculer pour l'aider. Et parfois, ça me joue des tours, mais voilà, c'est un sport d'équipe. Il faut arriver à composer. Et là, ça s'est joué dans le troisième set. Quand on perd 7-4, derrière, on gagne 10-7, ça fait un 6-0. Et dans la tête, c'est sûr que sportivement, ça fait du mal. Et ça s'est vu dans le quatrième set, on gagne facilement. Et voilà, ça s'est joué sur ce troisième set, on dira. Vous étiez plus frais en fin de partie, vous, avec Imanol? Je pense qu'on était mieux, plus en place. On avait retrouvé notre jeu de Biarritz et ça nous a servi. Et c'est vrai qu'on a fait un peu, voilà, on a mis Sylvain un peu plus sur le reculoir. On a pu se serrer à gauche et derrière, ça nous a fait, voilà, ça nous a réussi. Et Pablo, on l'a esquivé, on l'a évité. Donc derrière, quand tu mets en place un 2 contre 1, mais ça fait la différence. Sylvain, il y avait Imanol en face, bien sûr. Une partie de perdue, une partie de gagnée, donc le mois prochain, pour aller en finale, il va falloir l'emporter. Ouais, c'est ce qu'il y a de bien dans ce tournoi-là, c'est que tu peux perdre une partie, te qualifier quand même pour la finale. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on a les cartes en main, je veux dire, c'est celui qui gagnera la semaine prochaine et qui passera, quoi. Donc c'est une demi, voilà, c'est une demi, faut la jouer telle qu'elle, à bloc, ça nous fera une partie remplie de pression et d'enjeux pour préparer après la finale derrière. Donc chaque partie, là on va se reposer un peu, on va souffler. Moi j'ai souffert beaucoup, Dan disait qu'il avait mis un 2-1, je l'ai senti moi aussi. Donc voilà, récupération, entraînement et préparation de la demi-finale pour aller le plus loin possible après et peut-être pourquoi pas les retrouver sur la finale. Vous le disiez, vous êtes le seul, vous avez abandonné le professionnalisme donc à Bilbao. Vous étiez un petit peu en manque de parties, de compétition dans ce début de tournoi, ça vient petit à petit.
J'aime pas trop me chercher des excuses. Pour moi, je suis le moins bon des quatre. Donc, je vais pas essayer de savoir pourquoi. Hein. Je vais essayer de savoir comment faire pour remonter. Voilà. Mais effectivement, tu as raison, c'est une discipline qui demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'entraînement. Si tu tapes un peu moins que tu tapes tout seul, je tape à quatre, forcément, le rendu sera moins bon. Mais bon, à moi de trouver des solutions. Tu sais, dans le sport professionnel, les mecs qui bataillent sans arrêt et qui râlent, c'est gonflant. Donc je pense que c'est à nous individuellement aussi de s'entraîner, de trouver des pelotes, des partenaires, des heures d'entraînement et d'aller taper. Et c'est comme ça qu'on revoit les grands sportifs, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai toujours dit, être au top c'est bien, rester c'est mieux. C'est encore plus difficile. Donc Dan me donne la possibilité de jouer avec les meilleurs. À moi de me démerder pour être là et être présent et donner le mieux. Voilà. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous voir. On va conclure avec Dan, avant de donner peut-être un dernier mot à Christophe de Lissando. Au niveau organisationnel, Dan, aujourd'hui le fronton était plein chez vous à Saint-Jour. Vous avez de ce côté-là beaucoup de satisfaction. Ouais, bah, on va le dire, c'était guichet fermé, donc ça fait plaisir de dire ça dans la pelote basque, c'est pas tout le temps. Et surtout dans la pala, quoi, on le voit pas tout le temps. Donc ça fait énormément plaisir de voir autant de monde, en plus chez moi. Le mur à gauche, il est tout neuf, donc aux couleurs de Saint-Jean-de-Marenne. Et ça fait plaisir aussi de voir que la mairie nous soutient, parce que c'est pas simple. Et c'est une vieille installation, ça coûte de l'argent de rénover, et voilà. Au niveau organisation, je suis très satisfait. Il faut aussi continuer à remercier les partenaires, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Donc je tiens à les remercier fortement. Et je vais aussi parler d'un tournoi qui arrive aussi, parce que c'est important d'en parler. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé de la pelote basque pour nous faire aller de l'avant. Il y a le Fronton Series qui va avoir le jour le week-end prochain à Toulouse, chez Sylvain. Et Sylvain, c'est lui qui crée ça avec la Fédération et Jean-Pierre Michelena. Donc voilà, nous sportifs, on essaye aussi de faire bouger les choses pour les jeunes qui arrivent, aussi pour nous préparer pour les prochains championnats du monde, parce qu'on a une revanche à prendre. Et voilà, ce Fronton Series, c'est une nouvelle étape aussi. J'espère que ça va faire du bien à tous les sportifs comme nous, pour nous affronter contre les Espagnols, pour jouer des belles parties tous les week-ends, et pas voilà, essayer de faire bouger les choses un peu plus, comme la Palador, comme j'essaie de faire. Et de voir que Sylvain aussi le fait, ça c'est important. Je vais le prendre à l'organisation, je pense. Je vais le prendre à l'organisation. Non. Ouais, vous ne serez pas déçu. Il faut taper, voilà. Il faut que nous, en France, les joueurs puissent taper, prendre l'instrument toute l'année, pas que pendant le championnat. Si tu veux rivaliser avec les Espagnols, il te faut avoir le blanc quelques fins de semaine, la pala à la main, un peu de résine et avoir de la confrontation. Moi, je pense que ça s'est vu sur les derniers mondiaux. Hein. Si t'as pas des mecs pour qui taper, contre qui taper... c'est bien, hein, tu viens, mais tu ne gagnes pas. Donc voilà, il faut créer une émulation en France. Et voilà, Dan a commencé, on prend ensuite un peu le fronton de série aussi. C'est notre discipline. Voilà, j'espère que ça va continuer comme ça et que le niveau français va revenir un petit peu comme il était il y a 10, 15, 20 ans. Dans l'école, on peut conclure avec Christophe. Vous avez quelque chose à ajouter pour ces deux champions là, Christophe qui a commenté avec nous. Quelle était la question, pardon? Si j'ai quelque chose à rajouter? Ouais. Non. À dire aux joueurs. À dire par rapport à eux, quoi. Non, je les félicite pour leur prestation. Ils ont joué tel qu'on les connaît. Sur la fin de la partie, il y a eu l'équipe noire qui a pris le pas un petit peu physiquement. L'impression que j'ai eue, moi, c'est que c'était un peu plus difficile pour les oranges à partir de la deuxième partie de la partie. Ils auraient pu basculer 2-7-0. Ça, je pense que vous l'avez souligné. Mais bon, les Noirs se sont accrochés et ils n'ont pas lâché. Et ça leur a permis de basculer sur notamment à 2-7-1, c'était important. Et après, sur le quatrième set, ils ont déroulé, ils étaient plus forts. Et la victoire leur revient logiquement. Voilà, on termine à 4, hein, comme sur une cancha. Sur une cancha. Voilà. Mais c'est moi qui ai le dernier mot. Désolé. Hein. On se retrouve donc le 13 juillet, Dan. 13 juillet à Seignos, aussi un bel endroit. Ah, je vais vous donner la parole encore. Guichet fermé, j'espère. Guichet fermé. Comme aujourd'hui. Voilà, il chanterait en plus. Il a dit qu'il chanterait une chanson. Avant la finale du 1er septembre, donc, au Rayana Itosegor. Bonne soirée à tous après cette magnifique journée. Magnifique étape ici à Saint-Jean-de-Marenne, chez Dan Nicole, le vainqueur et l'organisateur. À bientôt. Merci.